Et si on ne jouait pas de la bonne façon sur League of Legends depuis presque plus de 10 ans? Ce serait vraiment très bizarre. Alors évidemment, je parle de la solo queue, mais depuis quand c'est normal d'enchaîner les games de solo queue comme si on avait tout le temps 50% de chances de gagner la partie? C'est bizarre que la grande majorité ne dodge pas les parties. Est-ce que c'est un manque de connaissances? Je vais avoir besoin de réponses, je vais avoir besoin de vous aujourd'hui, parce que à chaque fois que je fais un compte et que je dodge, je prends mon temps, je lance pas n'importe quelle partie, j'ai un compte avec un winrate complètement fou. Et encore, dans ce compte-là, où j'ai 74% de winrate, donc j'ai 23 victoires pour 8 défaites, il y a au moins 5-6 défaites où je n'ai même pas fait la stratégie, c'était au début de ce compte. Vous voyez, au début du compte, j'avais moins de 50% de winrate parce que je ne faisais pas de dodge. Les games étaient complètement aléatoires. Et le moment où j'ai commencé à réfléchir, je gagnais toutes mes games. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur le dodge, etc. Mais la vidéo là sera un petit peu plus poussée. Et j'avais besoin de comprendre un petit peu certaines choses. Parce que je me demande si par exemple un Silver Gold va comprendre quand il va perdre ou pas. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous donner des exemples avec des situations et vous allez me dire qui va gagner. Ce sera des petits exemples, on va pas y passer 30 minutes non plus. En fait, c'est juste pour savoir s'il faut une très très haute connaissance du jeu, s'il faut avoir beaucoup d'expérience pour comprendre certaines choses. Donc, commençons. League of Legends est un jeu de stratégie. Que tu le veuilles ou non, ce n'est pas un jeu 100% mécanique. Ce n'est pas un Tekken où tu vas te battre en pur 1v1, comme un Super Smash Bros. Non seulement c'est un jeu de stratégie, mais c'est surtout un jeu d'équipe. League of Legends, pour moi, n'est pas du tout designé pour la solo queue. C'est un jeu designé pour jouer soit avec des amis à 5, soit en e-sport avec une équipe soudée, avec un vocal. La solo queue League of Legends, je pense, est le pire truc et qui ne représente absolument pas le jeu. Tu joues avec des gens que tu ne connais pas, tu joues avec la synergie entre tous les champions quasi néante à chaque game, et il n'y a même pas de vocal. C'est les trois points les plus importants sur League of Legends. La solo queue ne devrait même pas exister en ranked. On a inventé la ranked juste pour faire plaisir. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tout le monde joue des champions qui 1v9 pour monter. Parce que c'est impossible de jouer en équipe. Déjà ça, c'est un point qui m'a fait beaucoup rire. Et du coup, on va en venir à pourquoi dodge et quand dodge. Alors, il faut savoir que moi, si je ne dodge pas, je n'ai pas la capacité d'1v9 avec les champions que je joue. Alors oui, il y a des gens, ils peuvent se permettre de ne jamais dodge. Si j'étais un OTP Jax, si j'étais un OTP Irelia super fort, etc. Oui, il y a des champions où tu peux jamais dodge et péter toutes les games. C'est souvent à la top lane et en jungle. Mais si tu joues des match control à la mid lane, genre Orianna, il y a des games où tu ne pourras rien faire. Parce que ton personnage est peut-être un peu trop faible en early et tu verras la game exploser avant que tu puisses jouer. Un très bon Jax peut exploser la top lane dès le début en early. Il va l'exploser en mid game et en late game. Non seulement ça va être un très bon dueliste, et en plus en team fight, il va pouvoir enchaîner les kills. J'en avais déjà parlé, les briseurs comme Jax sont les meilleurs champions pour 1v9. Mais si tu ne fais pas partie des joueurs qui jouent des champions qui 1v9, malheureusement, tu vas être dépendant un peu de ton équipe. Du coup, à partir de là, il va falloir que tu réfléchisses à la draft pour savoir si oui ou non tu as perdu la game. Maintenant, comment savoir quand tu as perdu ou non, ou quand tu dois dodge? La première info que tu dois regarder, c'est: est-ce que ton personnage se fait contrer par la plupart des champions adverses? Ça va te donner l'indicateur de est-ce que tu vas t'amuser et est-ce que tu vas pouvoir la carry. C'est super important parce que même sur un compte tryhard, il faut que tu t'amuses, ça reste un jeu. Donc ça, c'est un point très important. Est-ce que tu vas pouvoir t'amuser et est-ce que tu te fais pas trop counter? Le deuxième point très important, c'est c'est la draft en fait. Est-ce que ton équipe va se faire pulvériser par l'équipe adverse? Et tu dois regarder chaque lane pour savoir comment ça va se passer. Pour moi, je trouve ça facile de savoir qui va se faire exploser ou pas. Je vais vous donner un exemple et vous allez me dire ce que vous en pensez. Imaginons dans ton équipe, tu as un Gangplank. On est aux alentours de l'Elo Gold. Et dans l'équipe adverse, à la top lane, il y a Darius. Donc toi, tu as un Gangplank. Là, il y a un Darius. Pour toi, qui a 80% de chance d'exploser son vis-à-vis? C'est Darius. Darius va exploser le Gangplank 80% du temps. Mais alors pourquoi? Parce que Gangplank est un champion beaucoup, beaucoup trop difficile à jouer pour la plupart des golds. Même en master, je les évite. Il faut attendre le grand master et des gens qui sont main, voire OTP, pour voir quelqu'un qui sait jouer Gangplank. Le champion est beaucoup trop difficile à jouer et la moindre erreur peut terminer sur un snowball de Darius qui va exploser la game. On peut comparer par exemple les deux champions à des équations mathématiques. Darius, son niveau de difficulté pour le jouer, c'est comme si je te mettais une équation 2 plus 2. Ah bah,
tous les joueurs de LoL sont capables de faire cette équation-là. Mais alors Gangplank, son équation? Je comprends même pas ce que j'ai mis. C'est beaucoup trop compliqué, faut des années d'études pour pouvoir jouer cette merde. Donc quand tu compares tes deux laners dans ton équipe, il y a trois points à faire attention. Le niveau de difficulté du champion, pour le coup Darius, très simple, Gangplank trop dur, et ça c'est super important. Un Darius, tu ne pourras pas être déçu de sa prestation. Tu lui as demandé de faire 2 plus 2, ce sera 4. Il ira pas chercher plus loin. Les variations sont ultra faibles. Le deuxième point, c'est est-ce que son champion est fort en solo queue? Darius, c'est super fort en solo queue. Et en plus, c'est méta. Donc ce point-là, évidemment, il faut avoir une connaissance quand même sur League of Legends. Le troisième point, c'est son match-up. Si Darius, là, il est contre un Maokai, tu vas remplir les trois conditions. Il a un champion facile, il est fort dans la méta et en solo queue, et il a un match-up facile. Si tu remplis ces trois critères, tu viens d'avoir statistiquement le meilleur allié possible en solo queue. Et tu fais ça avec toutes les lanes. Je vous donne un autre exemple à la bot lane. Dans ton équipe, tu as une Samira et un Nautilus. Et en face, il y a une Lux et une Miss Fortune. D'après toi, qui va se faire exploser? C'est évidemment la Lux et la Miss Fortune qui vont se faire turbo explosé. Mais vous vous rendez pas compte à quel point il y a un haut taux de probabilité que Nautilus Samira soit en 12-0 à 5 minutes. Et ça, c'est super important de faire attention. Si tu as du mal à jauger un petit peu la puissance des champions, je te mets un lien sur ma tier list, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Tu peux regarder, j'ai mis des infos à gauche qui pourraient peut-être t'intéresser. Bref, faites attention parce qu'il y a des joueurs de LoL qui s'en battent les reins de gagner ou perdre en ranked. Ils lancent comme si de rien n'était et faut faire attention à eux. Parce que eux, faut vraiment les voir en mode, ils sont au Moyen-Âge, il y a une armée de 1000 en face, ils sont 100. En face, ils te demandent Vous nous laissez passer ou on déclare la guerre? Et là, le joueur de LoL avec ses 100 soldats contre 1000, il est en mode non, non, on lance la game. Ah non, non, faut, tu skip. Next time, tu attends. Tu attends d'avoir tes 1000 soldats contre 500 et t'auras beaucoup plus de chances de gagner. Ou t'attends d'être équilibré, 1000 contre 1000. Mais la quasi-totalité des joueurs de LoL lancent des games à 100 contre 1000. Sans aucun problème. Et il y a certains joueurs de LoL, quand ils perdent, ils crient loser queue. Moi, je sais plus quoi faire. Bref, je trouve ça rigolo. Et en fait, j'ai l'impression que League of Legends, bah, c'est tellement mal designé pour la solo queue, pour ceux qui tryhardent, que je pense qu'on est obligé d'avoir deux comptes. Un compte tryhard où tu fais une, deux, trois games par jour, max. Et si tu joues beaucoup, bah, tu passes sur un compte fun. Et bah, tu seras plate et l'autre, il sera master. Le plus dur, c'est quand tu sais que tu vas perdre la game, bah, t'as pas envie de tryhard. Donc, tu vas tester un nouveau champion et tu seras pas surpris de la perdre ou gagner. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo parce que j'avais vu quelques messages sur Twitter qui me demandaient quand est-ce que je dois dodge, etc. Et vu que j'avais changé un petit peu ma méthode, bah, je voulais vous en reparler. Et ouais, j'espère que ça a permis à certaines personnes de prendre un petit peu de recul. Et ouais, n'oubliez pas, League of Legends est un jeu de stratégie. Il y a certaines games, des fois, je vois des gens lancer des games et je suis en mode, mec, tu sais que tu as perdu là. Tu vas un pas t'amuser et je les vois me parler après de winner queue, loser queue. Je suis comme, bro, c'était clic gauche sur la croix et t'attends 5 minutes. Bref, on se revoit bientôt justement pour aller spect une game en master en EU West pour voir le niveau. Et moi, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et à très bientôt. Ciao.